venez mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves, on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Madame Perrine, la fileuse, n'a pas de chance. Sa fille Marguerite est lambine. Elle n'aime pas du tout filer. Un jour où Madame Perrine se lamente, la châtelaine du pays l'entend. Que se passe-t-il? Marguerite serait-elle fainéante? Oh, Madame Perrine n'aime pas que l'on se mêle de ses affaires. Alors, elle vante les mérites de sa fille. De plus courageuse, de plus travailleuse, de meilleure, il n'y en a point. La châtelaine n'en revient pas. Vraiment? Puisqu'elle travaille si vite et si bien, je l'emmène au château. Je la paierai largement. Pauvre Marguerite, la voilà enfermée dans une chambre pleine de laine à filer. Tout doit être filé avant un mois. Alors Marguerite file, elle file la nuit, elle file le jour, le matin, elle s'échappe un petit moment dans le jardin et Adria, le fils de la châtelaine, se promène avec elle. Et puis, elle retourne vite à son rouet. Le mois passe et il reste un énorme tas de laine à filer. Jamais elle n'y arrivera. La châtelaine va la renvoyer. Soudain, apparaît une drôle de petite bonne femme avec un énorme pied. La petite bonne femme dit: tu peux aller dormir, tout sera filé pour demain. Promets-moi seulement de m'inviter à ton mariage. Marguerite est très étonnée, mais elle promet. Le lendemain, la châtelaine est enchantée. Toute la laine a été filée. Mais elle est vite remplacée par un plein chargement de lin. Tout cela doit être filé avant une semaine. Ne perds pas ton temps. Marguerite est découragée. Jamais elle n'y arrivera. Mais elle pense aussi que chaque matin, elle se promènera dans le jardin aux côtés d'Adrien. La semaine passe et il reste un énorme tas de lin à filer. La châtelaine va la renvoyer. Et elle ne reverra plus Adrien. Alors apparaît une drôle de petite bonne femme avec une énorme lèvre. Arrête de pleurer, tout sera filé pour demain. Promets seulement de m'inviter à ton mariage. Et Marguerite promet. Le lendemain, tout le lin est filé et Adrien demande Marguerite en mariage. La châtelaine accepte à une condition. Marguerite doit filer tout un chargement de cocons de soie avant 3 jours. Jamais elle n'y arrivera. Jamais elle n'épousera Adrien. Marguerite se met à pleurer. Alors apparaît une drôle de petite bonne femme avec 2 énormes pouces. Invite-moi à ton mariage et tout sera filé pour demain. Le lendemain, la châtelaine enchantée fait tisser avec la soie une magnifique robe de mariée. On prépare la fête et le jour du mariage, les 3 petites bonnes femmes arrivent. Marguerite dit à Adrien : voici mes tantes, ma tante Laine, ma tante Lin et ma tante Soie. Adrien est un peu étonné, mais il dit poliment : bonjour mesdames, quel est donc votre métier ? Nous sommes fileuses. Voyez mon pied, moi j'appuie sur la pédale du rouet. Voyez ma lèvre, moi je mouille le fil. Voyez mes pouces, moi je tire le fil. Alors, Adrien se penche vers Marguerite et lui dit : ma chérie, promets-moi de ne plus jamais filer. Évidemment, Marguerite promet. Et aussitôt, 3 petites fées disparaissent dans un grand éclat de rire.